Salut à tous, alors superbe Grand Prix d'Hockenheim. Alors là, franchement, avec de la pluie et tout, le départ a été donné sous safety car. Il y a 3 tours qui ont été retirés de la course. Je trouve ça un peu dommage personnellement. Ça nous aurait fait encore plus de spectacle. Mais au final, très très belle course, des dépassements, des crashs, de la pluie qui arrive, de la pluie qui revient, du sec, du soleil, des pneus pluie, des pneus secs. C'était vraiment magnifique, plein de dépassements, plein de spectacles. C'est vraiment une superbe course quoi. Du coup, le classement, ça donne Max Verstappen qui partait deuxième, avait donc qui remporte ce Grand Prix d'une main de maître. Il n'a pas fait d'erreur, franchement, bravo à lui. Vettel, surprenant deuxième, qui n'a pas fait grand-chose de la course, on va pas se mentir, qui traînait 6 ou 7e toute la course et au final qui termine deuxième. Bon, il n'a pas fait d'erreur, hein, mais il était plutôt lent sur ce Grand Prix. Donc au final, bah, beau résultat pour lui également. Daniil Kvyat, surprenant troisième sur sa Toro Rosso. C'est le premier podium d'une Toro Rosso depuis 2008 avec Sébastien Vettel quand il a gagné à Monza en 2008, quoi. Incroyable. Lance Stroll, on a cru pendant un petit moment qu'il allait finir quatrième, enfin troisième, mais il a été passé par Vettel du coup, donc bah, il sera hors du podium. Le pilote canadien, superbe résultat pour lui aussi. Ça fait de gros points pour son équipe et pour lui. Carlos Sainz qui limite la casse chez McLaren, 5e position. Alex Albon, 6e, qui a eu été pris dans un crash avec Pierre Gasly en fin de course, qui a provoqué l'abandon de Pierre Gasly. D'ailleurs, il n'a pas eu de pénalité, j'ai été assez surpris, mais bon. Il termine 6e sur sa Toro Rosso, ça fait beaucoup de points pour Toro Rosso aujourd'hui. Raikkonen et Giovinazzi, 7 et 8, de superbes points également pour Alfa Romeo. Kimi qui a fait une petite erreur sans conséquence, bah, comme au dernier virage, hein, comme la plupart des pilotes. Il s'est sorti, mais au final, il a réussi à revenir sur la piste, et du coup, il termine quand même 7e. Donc, son équipier terminera 8e. On l'a pas vu trop de la course, mais au final, il fait le job aussi, il terminera 8e, Antonio Giovinazzi. Ensuite, 9e, Romain Grosjean et Magnussen 10, les deux se sont encore accrochés en fin de course. Bon, sans conséquence parce qu'ils n'ont pas abandonné cette fois. Mais bon, les deux apparemment ça va plus du tout entre Romain Grosjean et Magnussen, les deux équipiers. Et à mon avis, ils sont encore gueulés chez As. Hamilton, alors Hamilton 11e. Hamilton qui a fait une grosse sortie de piste également avec comme Leclerc et d'autres pilotes. Il terminera que 11e et sa voiture était endommagée sur la fin. Il s'est arrêté 6 fois au stand, incroyable. Et au final, il s'est pris une pénalité également de 5 secondes pour avoir coupé l'entrée des stands suite à son crash. Il avait les roues en miettes, donc il a dû rentrer au stand, évidemment. Ça paraît logique. Et il a coupé l'entrée, donc bah, c'est interdit de faire ça. Et la pénalité est logique. Bon, bah, il finira hors des points, Lewis Hamilton. Dommage pour lui. Et les Williams, 12 et 13. Kubica face à Russell. Donc, bah, écoutez, les Williams, franchement, à la porte des points. Dommage pour elle. Elles ont fini la course, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et bon, ben voilà, toujours pas de points, mais au final, 12 et 13, c'est pas si mal. Pierre Gasly, 14e, bon, il n'a pas été dans le rythme du tout pendant la course. Finalement, il s'est fait cracher à la fin par Alex Albon, du coup, il finira 14e seulement, abandon. Alors, Bottas, qui était 4e face à Stroll, au moment de se crasher sur la fin de course, c'est incompréhensible. Franchement, je comprends pas. Il aura pu ramener beaucoup de points à Mercedes quand même, même s'il finissait que troisième ou voire quatrième au pire, et il se crache à quelques tours de la fin, à 7 ou 8 tours, je crois. C'est incompréhensible. Franchement, Valtteri Bottas va se faire taper sur les doigts chez Mercedes parce que là, c'est inacceptable pour le coup. Alors, Hülkenberg qui a été deuxième pas mal de temps, au final on a cru qu'il ferait un podium, mais au final, bah, dommage pour lui, il s'est crashé également. Grosse contre-performance pour le pilote allemand également. Voilà, il s'est crashé dans le virage où tout le monde s'est crashé au final. Comme Charles Leclerc d'ailleurs, qui a surconduit pendant une bonne partie de la course et qui a fini dans le mur dans le dernier virage. Lando Norris, pareil, il s'est crashé. Ricciardo a abandonné sur un problème moteur et Pérez en début de course. Donc voilà, c'était un Grand Prix assez dingue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré, franchement. Je pense que c'était la meilleure course de la saison jusqu'à présent. Allez, on se retrouve pour le classement.